Memphis Depay. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon analyse sur la quatrième journée de Ligue 1 dans le match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Donc juste avant de vous donner l'analyse et mon pronostic sur le match, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors vis-à-vis de cette rencontre, donc j'ai noté les avantages et les inconvénients. Donc c'est parti. Donc point numéro 1, c'est un match à domicile. Donc pour Lyon, c'est un gros avantage parce qu'à chaque fois, dès qu'on est à domicile, il y a une très faible probabilité de perdre un match. Donc la deuxième chose, le deuxième avantage, c'est qu'historiquement, l'Olympique Lyonnais réussit plutôt bien contre l'OGC Nice. Donc au cours des 16 dernières rencontres, il y a eu 8 victoires pour Lyon, 6 matchs nuls et seulement 2 victoires de Nice à l'extérieur. Donc globalement, voilà, Nice a quand même des grandes difficultés à Lyon. Donc ça va être topissime pour les Gaunes pour pouvoir donc accentuer leur domination et pourquoi pas gagner le match. Autre chose, donc troisième point, en 2018, l'Olympique Lyonnais, toutes compétitions confondues en match officiel, a réalisé 14 matchs. Donc Lyon a réalisé donc 10 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc vous souvenez peut-être de la défaite 2-0 contre Rennes ou encore malheureusement l'élimination en Europa League à domicile face au CSKA Moscou 3-2. Mais voilà, vous voyez donc 14 derniers matchs de Lyon au Parc OL, 10 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc ça c'est pour l'année 2018 en compétition officielle. Et également sur ces 14 derniers matchs, donc ça c'est le quatrième point, l'Olympique Lyonnais a toujours marqué au moins un but au cours des 13 des 14 derniers matchs. Donc, hormis la défaite face à Rennes, il y a toujours eu au moins un but. Bah, ça me paraît aussi un petit peu logique, notamment avec Depay, Traoré et toute l'armada offensive de Lyon. On a souvent énormément d'occasions. Donc, c'est ça qui va encore faire très très mal à la défense niçoise. Maintenant, vis-à-vis des atouts pour Nice, pour cette rencontre et donc du coup les désavantages pour Lyon. Point numéro 1, l'Olympique Lyonnais a des trous d'air. C'est souvent le cas des grosses écuries, notamment au mois d'août, on a pu voir la défaite 1-0 face à Reims, alors que Lyon avait toutes les cartes en main pour au moins ramener un point chez les Rémois. Donc ça voilà, Lyon, ils sont assez fréquents, c'est un petit peu comme Marseille d'avoir des trous d'air face à des équipes où normalement leur victoire est acquise. Et le deuxième inconvénient pour Lyon, du moins voilà, on espère si vous êtes niçois que ça soit une réaction d'orgueil. Donc l'OGC Nice a démarré de manière catastrophique le championnat 2018-2019. Donc ils ont eu 3 matchs, défaite à domicile contre Nîmes, match nul 1-1 à l'extérieur et défaite 4-0 contre Dijon. Donc là aussi, globalement, l'entraîneur Patrick Vieira, je pense qu'il va vraiment les ronfler dans les bronches pour qu'ils se réveillent, les différents joueurs. Et si on regarde un petit peu les matchs, moi j'ai regardé les 3 rencontres, Nice a eu pas mal d'occasions, mais ils ont tellement manqué d'efficacité que ça les a empêchés notamment de s'imposer face à Dijon. Mais on voit, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a des occasions, mais ce qui ne va pas du tout, c'est la finition qui est totalement caduque à néant pour les Niçois. Donc mon pronostic sur ce match, match nul plus Lyon remboursé. Donc je répète, match nul plus Lyon remboursé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a la victoire de Lyon, le pronostic est remboursé. Donc on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. C'est comme si on n'avait pas joué, on récupère notre mise. S'il y a match nul dans le match, on gagne le pari et le pronostic est perdant si la victoire de Nice. De manière générale, que vous soyez sur Winamax, Unibet, Bwin, Betclic, vous avez une cote globalement entre 1,45 et 1,50. Alors on me pose des fois la question en me disant, il se trouve où le pari? Pouvez-vous vous le créer vous-même? Donc c'est tout bête, si vous avez 100 euros, vous faites 100 euros divisé par la cote de Lyon. Donc si c'est une cote à 1,60, ça va peut-être faire une mise de 70 euros. Ce qui vous reste dans la main, vous le misez sur le match nul et du coup, si à victoire de Lyon, vous êtes remboursé. Et si à match nul, bien, vous gagnez. Ça fait cette fameuse cote à 1,45, 1,50 en fonction du bookmaker où vous êtes. Et du coup, sur 100 euros, bien, vous récupérez 145 à 150 euros brut, soit 45 à 50 euros net. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous,
Quel est votre pronostic sur le match? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Donc si vous aimez ce type de vidéo et ce type de format d'analyse, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Ça me permettra d'avoir votre feedback et d'en réaliser davantage à l'avenir. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la stratégie des bêtes noires. Donc j'ai mis en place un fichier, vous pouvez aller sur le site Flash Résultats. Donc j'ai répertorié grosso modo une centaine de matchs sur les 5 championnats majeurs européens de football, Ligue 1 française, Première Ligue anglaise, Bundesliga allemande, Liga espagnole, Serie A italienne, où des équipes ont des grosses difficultés à gagner contre d'autres ou alors ne gagnent jamais. Vous avez par exemple Marseille qui ne gagne jamais à Bordeaux. Vous avez Everton ne gagne jamais à Chelsea. Montpellier ne gagne jamais contre Monaco. Donc, vous pouvez regarder par vous-même sur le site Flash Résultats. Donc, il y a une centaine de matchs. Sur cette centaine de matchs, vous allez avoir globalement 88 à 90 pronostics gagnants et 10 à 12 pronostics perdants. Donc, si vous voulez télécharger cette liste de bêtes noires et la recevoir directement dans votre boîte email, donc il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger sur une page où vous mettez votre email pour recevoir tout cela instantanément dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. A tout de suite pour l'envoi des bêtes noires directement dans votre boîte email et au plaisir de vous lire dans les commentaires pour votre pronostic sur le match entre Lyon et Nice. Bye bye.